Toujours élégante, peu importe les chaussures. Toujours à la mode, tu es toujours à la mode. Fais-le de manière extra, oui, quoi qu'on dise de toi. Toujours à la mode, tendance et élégance. Ton allure, ton style, ton esthétique subtile. Sois toi-même, c'est comme ça que l'on t'aime. Ta confiance en toi est le plus grand cadeau de la vie. Porte ce que tu aimes, car c'est toi qui choisis. Et partout, oui partout, oui d'où que vous veniez. Le spectacle d'ouverture de la semaine de la mode débute dans une minute. Mais sans le tendanciomètre, on ne peut suivre aucune tendance. On va devoir choisir un look intemporel, les imprimés animaliers. Waouh ! Pourquoi ai-je l'impression que le défilé de mode va commencer ? Parce que c'est le cas ! Comme on ne pouvait pas choisir une seule tendance cette année, nous présentons toutes nos tendances inédites à la semaine de la mode. Parce qu'être soi-même, c'est toujours tendance. Cette année, pour être tendance, même à la plage, adoptez une attitude extra positive. Oubliez les montures de lunettes toutes roses et préférez le modèle Marguerite. J'adore. Chic et pratique. Cette tenue pour affronter les grands froids est vraiment tendance. Nous sommes très fiers de vous présenter notre style hivernal avec son délicat flocon de neige. En mode survie dans la jungle, il est nécessaire d'être extra préparé. Pour emporter l'essentiel, adoptez ce grand sac à compartiments chic, pratique et extra tendance. Toute la collection est craquante. Les couleurs vives ressortent mieux sur le sable du désert. Et comme nous ne craignons jamais de nous faire remarquer, le rose vif est la tendance extra à porter cette année. Ces tendances sont à couper le souffle, les extra mini et les mini extra. Vous m'avez vraiment inspirée. J'en viendrais presque à me réjouir de la disparition du tendanciomètre. Et si on l'oubliait? Plutôt que de choisir chaque année une seule tendance, pourquoi ne pas les combiner toutes ensemble, exactement comme maintenant? Alors, on crée la tendance avec ce qu'on veut, hein? Oui, oui. Je me demande où se trouve le tendanciomètre. Regardez, ce ne serait pas le tendanciomètre? Il n'avait pas disparu. Il a seulement glissé derrière cet énorme sac. Oh, mes amis, merci d'avoir découvert le tendanciomètre. Sans vous, on ne l'aurait jamais trouvé. Le mystère est résolu. Il suffit d'être tendance. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il suffit d'être soi-même.